Mon tout premier flan pâtissier 100% fait maison. Recette, c'est parti. Pour la pâte brisée, vous allez avoir besoin de 100 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, un petit peu de sel, 100 g de beurre mou et vous mélangez bien. Vous terminez par 50 ml d'eau et vous formez une boule avec vos mains. Une fois que c'est fait, vous filmez et vous mettez 30 minutes au réfrigérateur. Puis vous la sortez, vous l'étalez et vous piquez votre pâte, vous la mettez dans un moule de 20 cm de diamètre et vous la remettez au frais 30 minutes. Pendant ce temps, on fait l'appareil à flan, donc vous mettez 800 ml de lait, 90 g de sucre et une gousse de vanille à chauffer. Pendant ce temps, dans un autre bol, vous mettez 4 œufs, 90 g de sucre, 80 g de maïzena et 200 ml de crème. Vous filtrez votre mélange précédent et vous l'ajoutez à la préparation tout en mélangeant bien. Une fois que c'est fait, vous remettez sur votre feu jusqu'à temps que le mélange épaississe. Vous laissez refroidir, vous versez votre crème sur la pâte brisée en aplatissant bien et vous mettez au four pendant 20 minutes à 210. 10 minutes à 240 et 10 minutes à 180 en couvrant bien. Vous laissez refroidir minimum 4 heures et voilà.